J'ai choisi de mettre la photo d'une sculpture que j'ai réalisée qui s'appelle L'envol d'un mur de séparation, représentant un bout de mur de séparation agrémenté d'ailes, en fait de plumes d'aigle, mais qui sont en fait une imitation de plumes d'aigle. Ce qui m'intéresse, que ce soit une imitation, et ça reprend la forme d'un totem. Alors ça signifie pour moi une ouverture vers la liberté, puisque je vois les murs de séparation vraiment d'un point de vue symbolique comme toute forme aliénante, toute forme trop autoritaire, à laquelle j'associe donc toute la symbolique des plumes, qui est une symbolique de la culture indienne, les plumes d'aigle voulant dire la paix. Et puis, puisqu'on ne peut pas utiliser les plumes d'aigle aujourd'hui, on fait une imitation à partir de la plume de dindon. Et la plume de dindon signifie l'altruisme. Donc il y a un côté ironique, peut-on arriver à la paix puisqu'on est obligé de passer par une pâle imitation? Vraiment une question de où commence la liberté, où s'arrête-t-elle? Ben, je souhaite que chacun puisse, à défaut de trouver sa voie, en tout cas se sentir assez libre de la suivre.